Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour jouer aujourd'hui à Gran Turismo 2000, un jeu auquel nous avions déjà joué il y a, il y a maintenant au moins 7-8 ans. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, on va dire 5-6 ans. Qui était donc un CD promotionnel que ceux qui étaient présents au PlayStation Festival à l'époque, en 99 il me semble, ou 2000 plutôt, 2099, avaient droit de récupérer. C'était un goodies qu'on nous fournissait comme ça. Et ce jeu-là, ça préfigurait en fait Gran Turismo 3, c'est-à-dire l'entre-deux, Gran Turismo 2, Gran Turismo 3, avec surtout la next-gen sur PlayStation 2. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, vous allez voir, c'est que c'est un jeu qui fait un petit peu le mix entre le 2 et le 3 au niveau des graphismes. Et si vous avez vu cette magnifique introduction que je trouve exceptionnelle, ils se sont un petit peu amusés quand même à prendre, pour pas se leurrer, il y a beaucoup d'images de Gran Turismo 2 qui ont été juste remises au goût du jour, bien brossées, etc. Mais on avait ces mêmes types d'images dans Gran Turismo 1 et Gran Turismo 2. Là, si vous regardez derrière la voiture là, au fond, en fait c'est juste du Gran Turismo 2, mais ultra light, sans pixelisation. C'est comme s'il y avait la version PC en fait. Donc voilà, donc ne nous y fiez pas. Gran Turismo 2000, ça restera qu'une bêta, enfin une démo plutôt. De souvenir, les seules images qu'on avait pu avoir de Gran Turismo 2000 à l'époque, c'est-à-dire l'alpha, c'était sur ce circuit que vous allez voir plus tard, c'est le circuit de Seattle, mais il y a aussi, vous l'avez vu dans l'introduction, le circuit de... je sais plus comment il s'appelle. Un Midnight Club. Je crois que c'est Midnight Club, non. Midnight Club, je sais n'importe quoi, c'est un jeu. Bon bref, le circuit de nuit de Gran Turismo 2, Gran Turismo 1, Gran Turismo 3, etc. Alors, pour cette démo, ben, on n'a pas grand-chose, en plus elle est limitée en temps, donc on a le droit de changer la couleur. On est avec une Lancer Revolution 5 GSR. Voilà, on peut changer la couleur, il n'y a que ça. Hein. Jaune, rouge, noir, grise et blanc. Alors pourquoi je refais cette vidéo alors que je l'avais déjà faite il n'y a pas longtemps? Tout simplement parce qu'à l'époque, ma chaîne était tellement au début et j'avais aucune qualité sur la vidéo en termes de rendu. Et surtout que le jeu était au ralenti à l'époque, parce que faire tourner le jeu c'était assez galère. Maintenant, vous allez voir, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa à regarder, donc on va revenir dessus. Alors écoutez, on va prendre une... On va revenir en arrière, comme ça je vais vous montrer le mode démo qui va se lancer au bout d'un certain temps. Attendre un petit peu. Le menu toujours aussi classe, hein. Évidemment ça sera pas repris dans le 3, mais le Gran Turismo 3, les menus sont de toute façon exceptionnels. Le 4 aussi, le 5 aussi, ils ont toujours une façon d'exploiter l'interface qui est géniale. Et donc voici Gran Turismo 2000. Alors vous risquez de pas trop m'entendre, moi je m'entends bien, mais... Et pouvez voir que là on passe mais un cap mais énorme quand on sortait de la PlayStation et qu'on se retrouve avec la PlayStation 2 là, mais c'était exceptionnel. Regardez-moi ça, ces effets de reflets, les voitures totalement modélisées en 3 dimensions. Je précise que ce sont des modèles que l'on va retrouver dans Gran Turismo 3. Ce sont pas les modèles que l'on voit dans l'intro du jeu. L'intro du jeu c'est juste des modèles lissés. Là on est vraiment avec des modèles 3D refaits. Hein. C'est-à-dire qu'on voit le rond de la skyline est quand même bien mieux refait. Je vais baisser un tout petit peu le son, voilà, pour qu'on m'entende bien. On m'entend quasiment pas du tout d'ailleurs. Et vous pouvez voir donc il y a celle qui a été refait, il y a l'Alteza, on a une Subaru, je crois c'est Legacy, on a une Mitsubishi Lancer, une Lexus IS200. Et on est sur le circuit de Seattle qui a été refait. En fait c'est une version en mix, hein, entre la version comment ça s'appelle, de Gran Turismo 2 et la version Gran Turismo 3, sachant qu'il n'est pas fini le circuit, il y en a Gran Turismo 3 version finale. Le circuit a plus de détails. On voit ainsi un effet de chaleur qui est assez énorme. C'était aussi quelque chose qui était particulier à la PlayStation 1. C'était vraiment la fumée volumétrique, le brouillard volumétrique et surtout l'effet de chaleur qui était vachement bien rendu avec les Motion Engine. Alors dans Gran Turismo 2000 et Gran Turismo 3, il est totalement exagéré cet effet. Mais ça va. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que la 3D est quand même pas exceptionnelle. Mais je vous dis, c'est vraiment un mix. Alors je vous propose de faire sortie. Et on va donc commencer faire une petite course. Alors sachant que la petite course n'a pas duré longtemps puisqu'on est en temps limité. On a 144 secondes ou un truc comme ça pour finir la course, ce qui est impossible. Vous allez voir, on va finir peut-être un tour et encore. On a toujours deux modes difficulté, Racing Drift. Enfin c'est pas tellement en difficulté, c'est maniement on va dire. On va garder le mode Racing, on fera le mode Drift après pour vous montrer un petit peu la différence. On peut changer en manuel ou en automatique. Et donc nous sommes partis. On peut mettre la vibration on et off. Et allez, c'est parti. Pas de temps de départ. On est déjà lancé dans le jeu.
Et la première chose qu'on peut, on peut se rendre compte, c'est que vraiment le jeu est magnifique, très aliasé par contre, c'était le gros défaut des jeux PlayStation 2 à l'époque. Et ça l'a été un petit peu avec la PS3 aussi. Donc là j'ai complètement freiné, coupé mon freinage. Vous voyez que la fluidité est quand même bonne. La PS2 pouvait largement gérer ça, parce que c'est vraiment... Certes les voitures sont bien dessinées, mais le circuit est quand même assez pauvre en détail, c'est soit des gros cubes affichés, donc le jeu est très fluide. Et ça c'est vraiment la première chose qu'on se rend compte quand on joue à ce jeu là, surtout si on compare à un Gran Turismo 4 par exemple, ou même un Gran Turismo 3 à certains moments. Donc là, avec la Lancia, on a que deux vues, vue intérieure et vue extérieure. On va essayer de passer les RX-7, voilà. Et on se bat, vous voyez au loin, il n'y a pas trop de détails. Et je m'étais fait la même réflexion, par rapport à ce jeu-là, la même réflexion à l'époque quand j'avais fait cette vidéo. C'est pourquoi, par exemple, pour la PSP, ils n'ont pas utilisé ce moteur graphique. C'est un mix entre le 2 et le 3, c'est pas aussi lourd que le 3 pour une PSP. Mais on pourrait imaginer voilà, ce moteur de jeu pour la PSP avec peut-être 6 à 10 voitures, avec les voitures de Gran Turismo 2 un tout petit peu mises à jour. Et le jeu aurait été vraiment meilleur que ce qu'on a eu après sur PSP, surtout pour attendre quasiment 4-5 ans un jeu. Qui est en fait un Gran Turismo 5 au rabais, avec pas grand chose, pas de mode carrière que dalle. Là ça aurait été faisable hein, pour une PSP d'afficher ça. Et ouais, le modèle est vraiment le modèle PS2 avec énormément de détails sur la voiture. Énormément de détails pour l'époque, bien entendu. Alors on va finir le tour, je suis promis, tout va bien. Mais il n'y aura pas de deuxième tour, il n'y a aucun affichage. Hein. Je vais vraiment, je vais finir mon tour. Il reste 9 secondes, mais il se passe rien. Et la démo va se terminer au bout, au bout du timer, on va avoir un petit game over. Je crois que je suis jamais allé aussi loin. Hein. Voilà, game over. Et dans le game over, donc on a le droit de regarder la course à nouveau. La seule différence par rapport au mode démo, c'est que là je peux switcher la voiture. Voilà, je peux changer, je peux mettre par exemple la mienne si je veux, je peux mettre la NSX hein, qui a été refaite aussi. Qu'est-ce qu'on peut aussi noter par rapport à Gran Turismo 2? Évidemment, après pour Gran Turismo 3, bon bah c'est l'effet de reflet, l'effet de sur les voitures, la carrosserie. Alors c'est pas forcément des reflets en temps réel, je sais plus, il me semble que non. Mais c'est quand même des reflets qui ont été bien refaits. Et surtout, on a les jantes qui sont en trois dimensions, comme dans le 2. On va s'y passer sur la RX-7 par exemple. Au niveau du maniement, on est vraiment sur le Gran Turismo 2. Il n'y a pas encore d'amélioration comme dans le 3, mais le 3 était quand même vraiment très proche du 2. C'est vraiment le 4 hein, qui va changer totalement la manière de conduire dans Gran Turismo. Et ensuite, bien entendu, le 5 et le 6. Voilà, petite vue embarquée. Vous pouvez voir aussi sur les bâtiments, effectivement il y a eu quelques effets 3D rajoutés sur les bâtiments, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément... c'est pas une texture d'un bâtiment, il y a aussi l'encadrement des fenêtres qui est en trois dimensions. On va changer un peu la vue, on va prendre la Skyline par exemple, qui est plutôt bien réussi. Oui, au loin on a l'effet de clipping qui disparaît un peu dans la version PS2 de Gran Turismo 3. Il y a aussi quelques bugs aussi de roues, on a peut-être rendu compte sur le saut avec la Skyline, d'ailleurs les roues ont touché... sont sortis de la texture, comme c'était beaucoup le cas sur le jeu payant. Alors cette musique, c'est la musique en boucle, hein. C'est la musique qu'on a dans tout le jeu. C'est un petit peu dommage, donc c'est une bonne musique, mais bon, c'est assez chiant. Après, ça reste une démo, bien entendu, hein. Ce n'est pas une version bêta, je précise. Il y a des mecs qui ont réussi à trouver les versions bêta de Gran Turismo 2, par exemple Gran Turismo 1, je sais plus. Mais là, c'est vraiment une démo. Donc la démo, elle fait 130 mégas, c'est pas le jeu complet, on peut pas débloquer comme ça des bagnoles. Pas débloquer 10 circuits, etc. C'est vraiment une version finie, c'est juste pour la vie. Allez, on va faire start, on va faire exit, on va faire sortie, et on va faire un petit mode drip où vous voyez un petit peu la différence de conduite. On va changer la couleur de la voiture. On va prendre par exemple ouais, en gris ou en noir, ouais, en noir comme dans Taxi 2 d'ailleurs. On va faire drift cette fois-ci. Automatique, on peut pas changer la vitesse dans le jeu, c'est bizarre. Dans Gran Turismo, j'ai jamais voulu changer la vitesse. Hein. Autant dans d'autres jeux, je le fais, mais pas dans Gran Turismo. La vibration, faut l'utiliser. Et nous sommes partis. J'accélère dès le début parce que chaque fois, je me fais avoir. Voilà. Et vous allez voir que le mode drift, comme dans tous les Gran Turismo, mais là, c'est vraiment flagrant. La voiture glisse énormément. Et encore là, comme par hasard, c'est le moment où je tente pas de drifter, quoi. Oh, on a totalement fait n'importe quoi. Vous allez voir, quand on accélère, on glisse vachement plus. Alors, hop, on part en drift légèrement. Donc c'est un mode qui est quand même beaucoup plus jouissif.
jeu de rift, parfait. Donc cette démo à l'époque était assez rare quand j'avais pu le tester, maintenant bon elle tourne vachement facilement, on pourrait la trouver, à part ne serait-ce que le nom du jeu, plus ISO, etc. C'est pas vraiment difficile de le récupérer, il a été bien dupliqué. Donc on a mieux accéléré. Vous voyez, je crois que même l'évolution en bas, il a été amélioré. Enfin, il a été mis en 3 dimensions. Oh, les Rickstacks qui nous bouffent l'accélération. Et il n'y a plus de détails, voilà, quand on va arriver ici par rapport à la version de Gran Turismo 2000. Hein. Sur la version finale, Gran Turismo 3, il n'y a plus de choses. Et il me semble aussi qu'il y avait, voilà, ici en street virage, qu'il y avait aussi une boss qui là est décalée, elle est plus avant. Maintenant, les deux petits rails sont un peu plus loin. Et vous ne voyez pas forcément aussi au niveau du bitume, mais il y a aussi quelques effets de texture qui sont ceux de Gran Turismo 2. Ils sont assez dégueulasses. On le voit surtout dans la ligne droite en fait. Moi je l'ai pris à fond. Ouais, il me semble que c'est vert ici. Sur le bas des textures, non, pas forcément. Oh, je me suis fait dépasser au dernier moment. Et voilà, la démo est terminée. Donc on finit sur le mode démo. Alors que dire de plus sur cette démo? Pas grand chose, puisque ça reste une démo, donc je pense que 13-15 minutes c'est assez bon, assez court et à la fois assez long pour présenter la démo en image. Voilà, donc il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Il y a eu quelques démos comme la pizza de démo pour le Gran Turismo 2, ce genre de choses, mais celle-là elle valait vraiment le coup parce qu'elle montrait vraiment ce qu'allait être Gran Turismo et c'était une grosse claque. Et il y a aussi une vidéo de démo que l'on peut voir à part mais qui n'est pas dans ce jeu-là, qui permet de voir les voitures tourner sur le circuit de nuit justement. Donc j'ai oublié le nom, décidément ça me revient quand j'aurai fini la vidéo à tous les coups. Mais ça voilà, ça permettait de voir aussi les voitures tourner de nuit avec des effets de lumière plutôt sympas et surtout le reflet sur les voitures. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça aurait été court mais je pense que c'est suffisant. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ciao tout le monde.